Autoroute Abidjan-Grand Bassam, Adjoufou et Gonzacville, deux quartiers de la commune de Port-Boué. Pour traverser la chaussée, les populations et les véhicules se disputent le passage. Quand tu montes sur le pont, tu as l'impression que tu as le vertige, que les voitures passent. Bon, tu es obligé de, disons, un peu fermer les yeux et puis partir. J'ai un peu peur. Le temps d'emprunter le pont, je trouve ça bon, trop long. Après, je traverse directement. À longtemps que je suis dedans, je n'ai plus peur de rien. C'est à cause du marché qu'on traverse. Puisque au lieu d'aller jusqu'au bout là-bas, donc je préfère traverser pour rentrer dans le marché rapidement pour sortir. On sait que c'est un peu dangereux, mais on ne sait pas. On fait avec. Un avis qui n'est pas partagé par tous. De là-bas, on pourrait traverser sur le côté. Donc, ils ont construit ce pont, c'est pour que nous puissions utiliser pour éviter les accidents. Nous préférons le pont par rapport à traverser la route. C'est encore sécurisant, quoi. Et c'est plus sécurisant encore pour la population. Les véhicules ne roulent pas doucement. Donc, c'est bon de traverser sur le pont pour éviter les accidents, pour que les voitures puissent circuler normalement. Selon certains riverains, les ponts piétons sont impraticables à des heures tardives. La journée, je passe là-bas. La nuit, je ne passe pas là-bas. Les braqueurs, ils coupent nous là-bas. Ils vont prendre nos portables. À cause de ça, on ne peut pas passer là-bas. Ils se couchent sur le pont. Dès que les gens sont à leur niveau, ils se lèvent pour dire « donne tout ce que tu as, sinon on te trimballe en bas ». Quatre ponts piétons sont installés sur une distance de 8 km de Port-Boué à Gonzacville. Pour les habitants, ce nombre est peu suffisant. Les garde-fous qui sont en train d'être placés empêchent les gens de rentrer dans les quartiers et les intervalles sont assez longs. C'est ce qui nous pose problème au niveau de Gonzacville à Djoufou. S'il pouvait y avoir encore d'autres ponts intermédiaires. Plusieurs accidents de circulation sont enregistrés régulièrement sur ce tronçon à cause de la non-utilisation des ponts piétons par les populations riveraines. Et pourtant, ces infrastructures de sécurité routière ont coûté des centaines de millions de francs CFA à l'État ivoirien pour éviter des pertes en vie humaine.